On a pas entendu, Hervé, t'as dit quoi? Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le talk sur Web Girondins. On se retrouve pour parler des Girondins de Bordeaux jusqu'à 21h ensemble. Je suis heureux de vous retrouver en direct sur Web Girondins. Nous avons un gros programme ce soir encore. J'accueille immédiatement les invités de cette émission. Le premier, il est né à Sainte-Foy-la-Grande. Il est formé aux Girondins de Bordeaux. Il a joué 185 matchs de Ligue 2 avec 46 buts.
Il a fait 15 matchs de Ligue 1. Il est champion de national, champion de Ligue 2. C'est monsieur Hervé Bunier. Bonsoir Hervé et bienvenue dans le Talk. Merci, bonsoir à tous. Comment ça va? Ben ça va, je reviens de Corse, donc tout va bien. Bon. L'accent, même si je le prenais un peu l'accent là-bas, mais parce que j'aime bien les Corses, mais sinon j'ai repris mon accent bordelais. Bon, ça va, ça va. Ben merci d'être avec nous, on est ravis de t'accueillir dans le Talk sur Web Girondins. Le deuxième invité de cette émission, c'est l'un des boudonnables, pardon, où j'arrive même plus à le prononcer, à force. C'est un détracteur de Paulo Sousa, il est heureux depuis une semaine, c'est monsieur Jonathan D'Agostino. Salut Joe. Salut, salut, c'est triste de me présenter comme ça, c'est négatif ce que tu fais, Nico, c'est pas bien. Non, mais c'est pour blaguer, tu le sais. Bon, non, ça... mais ça va en tout cas, ça va bien, écoute. T'étais en Corse toi aussi? Non, j'étais au travail, moi, vraiment, je suis dans mes bureaux, moi, je suis pas aussi bronzé qu'Hervé, moi, du coup, mais ça va, je le vis pas mal de travailler, tout va bien. Voilà. Bon, écoute, c'est parfait. Et il est là, autour du micro, alors lui, il est triste, hein, depuis une semaine. Son mentor est parti, Paulo Sousa n'est plus là, c'est monsieur Gino Forte. Salut Gino, ça va? Salut Nico, salut à tous. Bon, la forme? Oui, très content d'accueillir Hervé. Surtout que j'ai un cousin qui a joué dans le même club que lui au départ sur le bassin d'Arcachon, qui est l'ES Audange. Donc voilà. Donc on va dire que par procuration, on regardait à l'époque le petit jeune bordelais du coin et on espérait qu'il puisse voilà lui aussi avoir sa chance au Girondin. Et il a quand même pris une belle carrière avec, donc très content de l'avoir avec nous. C'est gentil. Eh bien, écoute, c'est parfait. Je salue tous ceux qui sont sur le chat. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Je vais vous donner le programme qui est bien chargé, hein, le programme de cette émission. N'oubliez pas d'envoyer vos likes, hein, parce que ça nous aide, hein, sur Facebook. Allez-y, un petit like et un petit partage de la vidéo. Tous ceux qui nous regardent sur Web Girondin, écoutez, c'est parfait, ne changez rien. Alors, le programme de cette émission, on va parler de Jean-Louis Gasset. Aucun match de préparation. On va chercher à savoir si c'est un handicap pour l'équipe, pour lui, pour le groupe. On aura l'éclairage d'Hervé Bunier, joueur professionnel, qui nous donnera son avis de joueur, son ressenti, comment les joueurs peuvent réagir. Donc ça sera très intéressant. On aura la question ballon de notre partenaire, le château Enclos au Mazères, ce qui me permet de saluer Johan, son propriétaire qui était avec nous lors de l'émission la semaine dernière. Donc vous aurez à gagner une dégustation pour 5 personnes, ça sera aux alentours de 20h. Quelle équipe va aligner Jean-Louis Gasset? On en parlera ensemble. On parle d'un 4-4-2 en losange. Est-ce qu'il va s'appuyer sur le travail de Paulo Sousa? On en discutera. À quoi s'attendre de Bordeaux-Nantes? À quoi s'attendre de cette reprise avec le coronavirus, le Covid? Est-ce que la rencontre peut être annulée ou pas? Les forces côté nantais, on en parlera aussi ensemble. On fera un point mercato avec un petit focus sur Alain Roche, qui s'est exprimé aujourd'hui, là, cet après-midi, en conférence de presse. On verra quels sont les objectifs pour le directeur sportif des Girondins. Et je vois Caredas, que je salue sur le chat, qui est là, et salut aux autres, qui nous dit « J'espère vous entendre sur la réaction de Frédéric Longuepée ». Bon, on va en parler en conférence de presse de sa réaction. On aura Philippe et Ludo au téléphone, aussi deux supporters des Girondins de Bordeaux. Voilà, je pense que j'ai déjà tout dit sur le programme. Messieurs, est-ce que ça vous convient, ça, ce programme? Ça va? On a encore du lourd, on a encore beaucoup de choses à dire et à débattre. Ouais, c'est vrai que ça va être chargé. Mais pour lancer cette émission, on va profiter de notre invité, hein, Hervé. On sait qu'il va super bien, il arrive de vacances. Bon, ça, c'est magnifique. Est-ce que tu es toujours dans le monde du foot, Hervé? C'est une question que je me pose comme ça, avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais non, complètement pas, parce que bon, j'ai arrêté ma carrière professionnelle en 2013, quand je sortais d'une belle épopée avec Evian Thonon-Gaillard, donc qui s'est pas très très bien terminé me concernant, parce qu'avec mon meilleur ami Pascal Duprat, ça s'est pas très très bien passé, on va dire. Écourter le sujet du bras. Et puis voilà, après, je me suis rompu les ligaments croisés pour la deuxième fois à 4 mois avant la fin de mon contrat. Donc, ça ne m'a pas trop aidé pour la suite. Et du coup, pour être honnête avec vous, alors oui, j'aurais voulu continuer au haut niveau. Et d'un autre côté, j'avais très envie d'arrêter. Pour la simple et bonne raison, c'est que voilà, je connais le milieu un petit peu le milieu du foot depuis des années. J'y étais dans le cœur pendant toutes ces années,
Et voilà, c'est, même si j'ai eu la chance d'avoir pratiqué ce beau métier, voilà, je voulais quand même tourner la page après ma carrière et passer à autre chose. Donc aujourd'hui, je me suis dirigé dans l'immobilier. Donc j'ai complètement mis le foot de côté. Alors je suis bien sûr d'un œil très lointain les Girondins. Je vais de temps en temps voir les matchs, mais pas tous les week-ends parce que ben, moi j'aimais pas quand il faisait froid. Donc je vais pas aller les voir maintenant quand il fait froid parce que je ne cours plus. Donc pour me réchauffer, donc du coup je préfère rester à la maison. Et du coup voilà, il y a juste un jour il y a Jo Micou qui m'a demandé pourquoi je fais pas entraîneur. Là, être entraîneur, c'est un métier où on gère des personnalités constamment insatisfaites parce que le footballeur, quand il n'est pas dans la retenue à la groupe, il fait la gueule. Quand il est sur le banc, il fait la gueule. Et quand il joue, il fait la gueule parce qu'il veut jouer à gauche alors qu'il joue à droite. Donc, donc ça aurait été très difficile pour moi de gérer ça. Donc j'ai préféré laisser ma place aux autres. Et bien en tout cas, tu as eu une belle carrière. Formation Girondin de Bordeaux, champion de Ligue 2, j'ai regardé, je ne savais pas. Hein. Une grande carrière à Evian Tonon-Gaillard avec. Oui, j'ai fait 5 ans à Evian. Ouais. Bon, notre cher Pascal Ducroix était venu me chercher après Dijon, parce qu'après Dijon et Rudy Garcia, je voulais tenter une expérience à l'étranger. Qui s'est pas très très bien passé, donc du coup je suis rentré, puis ensuite j'ai signé, il est venu me chercher au fin fond de l'UNFP, parce que grâce à ce syndicat on continue à pratiquer notre football, à s'entraîner pour un jour, si un club nous appelle, être présent. Et du coup c'est ce qui s'est passé. J'ai signé à Evian un an, et comme j'avais fait apparemment une très belle saison, j'ai prolongé derrière de entre guillemets 4 ans, avec encore un an en national, 2 ans en cas de monter en Ligue 2 et un an en cas de montée en Ligue 1. Et puis ben, on a fait les montées successives. Donc oui, effectivement, j'ai été champion de France en Ligue 2 parce que j'ai effectué un match. Donc en ayant effectué un match, parce qu'après j'ai été prêté à Cannes, et bien, j'ai le statut et j'ai la petite ligne sur le palmarès. Bon, mais c'est très bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, les plus jeunes, tu joues attaquant, ailier, c'était ça ton poste? Ouais, j'ai été formé attaquant au Girondins de Bordeaux. J'ai fait 15 ans au Girondins. Alors, j'ai signé pro en 2000 et je suis parti après en 2005 à Montpellier. J'ai fait différents clubs. Et ouais, j'ai été formé attaquant. Et puis, plus j'avançais dans l'âge et plus je reculais d'un cran. Donc, j'ai fini à Evian en jouant en numéro 10. D'accord. Un poste qui me plaisait parce que j'aimais bien régaler les autres. Et apparemment, j'étais pas trop mauvais pour donner de bons ballons. Donc, c'est ce que se disait Pierrot Labatte. Oui. Sacré Pierrot. Et je regardais les gars Gino et Jonathan, vous savez, oui. Il a connu des grands entraîneurs, il en a cité déjà quelques-uns, alors grands, certains médiatiquement, d'autres par dans le jeu et leur qualité, leur qualité technique. Gino, tu as la liste des entraîneurs qu'il a connus ou pas, comme ça, de tête. Bah, il nous disait déjà Rudy Garcia, si j'ai bien entendu, ouais. Pas loupé. Elibop, ouais, à Montpellier. Après, tu es à Montpellier pendant une saison, il me semble. Donc, est-ce qu'il n'y a pas. À Montpellier, tu as Domergue, c'est ça ce que tu me disais, je pense. Bon, voilà. Ouais, donc... Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que d'autres? Plus que d'autres, bon, moi, j'ai. Même si en deuxième partie de saison, ça ne s'est pas très, très bien passé. Rudy Garcia, Dijon, c'était vraiment quelqu'un qui connaissait le football, quoi. Autant sur le plan tactique, technique, quand il y avait un souci à la mi-temps, il savait soit effectuer le bon changement ou changer de tactique en plein match. Et c'est vrai que voilà, il respirait le football. Et puis on le voit ce qu'il fait depuis des années, qu'il a fait avec Lille, avec la Roma, aujourd'hui, ce qu'il fait avec Lyon. Voilà, on voit que c'est un bon technicien. Joe, tu veux réagir avant qu'on rentre dans le programme de l'émission, comme on discute avec Hervé? Non, je pense juste oublier un truc. Moi, c'était là où j'ai connu, justement, j'avais vu le match, c'était la finale du championnat de 2000.
place des moins de 18 ans, je crois, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, pas les pas encore l'équipe de France A, mais les moins de 18 ans où tu remplaces Djibril Cissé, c'est toi qui mets le but de la victoire. Je me disais, bon, mais encore un jeune joueur qui n'est pas à Bordeaux, et en fait, je découvre que le joueur était au Girondins de Bordeaux. C'est cool et tout, tu vois, donc c'est bien, mais malheureusement, derrière, après, c'était... Il y avait quand même de la concurrence à l'époque, il y avait Pauletta, Dugarry, tout ça. Fin... C'est toujours le même sujet qui revient et beaucoup de personnes dans le milieu et hors du milieu me disent si tu avais 20 ans aujourd'hui, ça se passerait certainement différemment. Certainement aussi parce que bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais la chance d'appartenir à un grand club où devant, ben, il y avait des... Il y avait du choix, quoi. Des Lassand, des Wiltord, des Paoletta après quand je suis revenu de près, donc voilà, il y avait quand même il y avait Ali Benarabia, il y avait Jomikou, donc dans le secteur offensif il manquait pas beaucoup de joueurs à Bordeaux, donc voilà, il faut savoir que quand j'ai été sélectionné, quand on a été champion d'Europe en moins de 19 à Nuremberg en Allemagne, où vous dites en finale 4-0, j'étais le seul joueur qui évoluait en Ligue 2. D'accord. Tous les autres joueurs de cette génération-là, que ce soit Djibril Cissé, Nico Pento, Grégory Vignal, c'est tous ces mecs-là. Il y avait Benoît Chéroux, Matisse, il y avait du beau monde quand même. Benoît Chéroux, il y avait une génération de malades, ils jouaient tous en Ligue 1, sauf un pinboy, ben, c'était moi, parce que j'étais prêté à Châteauroux ou à Martigues. Et du coup, voilà, je ne pouvais pas évoluer en Ligue 1 parce que j'appartenais à un grand club comme Bordeaux et avec tous les attaquants qu'il y avait. Sur le chat, il y a Chris47 qui dit merci d'être là, Hervé. Sultanres qui dit ça fait plaisir de revoir Hervé Bunier. Il dit il y avait du lourd à son époque devant. Voilà, oui. C'est ce qu'on était en train de dire. Allez, une dernière question. Les Girondins, pour toi aujourd'hui, en tout cas, tu es bordelais, tu es formé aux Girondins, tu habites à Bordeaux. Quand je te dis les Girondins de Bordeaux aujourd'hui, ça t'évoque quoi? Je vais être cash, je vais dire trop de business. Aujourd'hui, c'est plus les Girondins de Bordeaux que j'ai connus il y a des années en arrière. Moi, c'était les Girondins de Bordeaux où il y avait une âme, où il y avait le scapulaire qui tremblait, où il y avait les supporters qui aimaient aller au stade pour voir une âme sur le terrain. Et voilà, aujourd'hui, voilà, c'est entaché par tout ce qui est business. Faire de l'argent, acheter, le monter, vendre. Alors oui, certes, ça fait partie aussi du jeu, mais voilà, les Girondins de Bordeaux ne sont plus ce que c'était auparavant, avec un président emblématique comme l'était Monsieur Trio. Et puis voilà, aujourd'hui, les Girondins ne sont plus ce qu'ils étaient avant, tout simplement. Gino, tu veux réagir? Ouais, ben moi je me retrouve totalement dans les propos d'Hervé, et puis. On parlait du joueur qui était Hervé Bunier, mais au-delà de ça, c'était quelqu'un qui était identifié au club. Moi, je me rappelle d'un reportage ou d'un article où on le voyait dans sa chambre, je ne sais pas si c'était au centre de formation ou dans ta chambre, où il y avait tous les murs tapissés de posters des Girondins, les fanions et tout. Et quand toi, tu étais supporter, tu voyais des jeunes qui allaient arriver et qui avaient l'amour du maillot, tu vois, qui voulaient monter en pro et qui étaient comme toi, qui étaient des supporters à la base. Donc moi, ça me fait plaisir d'entendre ça, et quelqu'un qui a été au club, qui a été professionnel. Donc moi, je partage à 100% ces propos, et malheureusement, on est beaucoup, malheureusement, dans ce cas, à les partager. Et c'est difficile actuellement, la situation comme elle est, et malheureusement, voilà, je compatis totalement sur ces propos. On a eu beaucoup de débats dans cette émission, Hervé, sur la formation et les joueurs qui arrivent qui ne sont pas des supporters du club. On en a débattu plein de fois, hein, Gino, Joe. Est-ce que toi, à ton époque, quand tu étais donc en formation Girondin, c'était le cas aussi qu'il y avait des joueurs qui venaient et ils n'étaient pas forcément supporters des Girondins. Ou c'était rare. Honnêtement, moi j'étais issu d'une génération, la génération 81, où j'ai même posté chez mes parents où sur les 11 joueurs, il y en a 6 qui ont signé pro. Alors certains à Bordeaux, comme il y avait Patrick Le Guen, le défenseur Patrick Le Guen. Il y avait Arnaud Fagé, il y avait Pascal Feindoulon, donc voilà, il y avait Nicolas Sanoun, Mathieu Chalmin, alors même s'il est de 80, Marc Planus. Donc voilà, on était une génération quand même de Bordelais du cru. Donc pour répondre à cette question, c'est vrai que bon, on était surtout supporters des Girondins, mais à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, il fallait faire 15 matchs en professionnel pour pouvoir espérer
de signer un contrat professionnel. Aujourd'hui, pour des raisons de centre de formation, pour pas de centre de catégorie, etc., on fait signer des jeunes. Alors, est-ce que c'est pour leur servir ou pas? On le fait signer 1 an, 2 ans, 3 ans. Des jeunes qui, je sais même pas s'ils se sont entraînés une fois avec les pros. Et aujourd'hui, on en voit de partout pour pas que les centres de formation, des centres de catégorie. Nous, à l'époque, les mecs qui ont signé professionnel, ils ont tous fait des carrières de entre 10 et 15 ans de métier. Là aujourd'hui, les jeunes qui ont signé pro à Bordeaux, je leur souhaite de faire la même chose. Maintenant, je suis sceptique. Voilà, parce que c'était pas le même, la même philosophie de faire signer des jeunes. Si on signait à l'époque, c'est qu'on avait de la qualité. Joe, quand il dit ça, c'est vrai que c'est bon d'entendre ça et que ça nous soit rappelé, parce que toi, tu l'as vécu. Mais c'est vrai que là, cet été, on a vu des joueurs qui ont signé pro, ils ont 0 match hein, en Ligue 1. Hein. Mais après, j'ai l'impression que les clubs ont surtout peur de se faire piller leurs jeunes joueurs, en fait. C'est peut-être pour ça que les clubs font signer très tôt les joueurs maintenant, parce que je me rappelle de l'histoire de Mathieu Flamini à Marseille, où ils vont en finale de Coupe UEFA, je crois que c'est en 2003 ou 2004, je sais plus, où t'as le mec, il fait une super moitié de saison et il part gratuitement parce que le mec voulait plus signer à Marseille, en fait. Parce qu'il y avait des choses qui lui convenaient pas. Et je sais que le foot français, à ce moment-là, dans les années 2000, se faisait piller beaucoup de joueurs aussi pour pas grand-chose. Donc, les clubs ont voulu se protéger. Mais maintenant, si tu as l'entourage des joueurs qui n'est pas forcément bon non plus pour eux, tu sens que la mentalité des joueurs n'est plus du tout attachée au club parce que tu sens qu'ils sont surtout attachés à leur carrière et à faire vivre leur famille, etc. Donc, le foot d'il y a 20 ans, il y avait des clubs comme Auxerre, Nantes qui vivaient sur la formation. Ces clubs-là n'existent plus. Enfin, Nantes, ils sont revenus en Ligue 1, mais tu sens que c'est très compliqué pour eux. Le Havre, etc. Tu sens que vivre sur la formation, c'est très compliqué. Donc, tu sens que tout va vite, comme beaucoup de choses. De toute façon, maintenant, le joueur, c'est une marchandise. Et voilà. Et tu as beaucoup de gens aussi autour qui gravitent sur ça. Quoi. Donc. Ouais, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Hervé, là-dessus, sur ce sujet. Non. C'est une gestion de club. Après, on a vu au Jardin de Bordeaux qu'à un moment donné, Marwan Chamakh, il est parti libre du Jardin de Bordeaux pour aller signer Arsenal. Oui. Semble-t-il, de mémoire. Donc, là, il y a une erreur de gestion du club, qu'une année auparavant ou 2 ans auparavant, on aurait dû prolonger Marwan par rapport à tout ce qu'elle a fait pour le club, et tout ce qu'il a fait pour la formation, et le vendre, et pas qu'il parte libre. Alors oui, il nous avait fait gagner le titre de champion de France, mais il est parti libre. C'est vrai. C'est vrai. Je suis pas sûr qu'il voulait prolonger quand même, Hervé, sur ce cas précis. Je pense que Marwan, justement, il savait qu'il avait Arsenal qui était derrière. Et je suis pas certain, justement, qu'avec ses agents et son entourage, il n'ait pas voulu ne pas prolonger, justement, pour partir libre et après oui. Avoir un accord financier. Je pense, sur ce cas précis. Hein. La dernière année, c'était dans son intérêt de pas prolonger. Et au 1er janvier, on savait qu'il pouvait signer n'importe où à partir du 1er janvier. Maintenant, un joueur comme Marwan Chamakh qui avait déjà fait ses preuves des années auparavant, quand il lui reste 2 ans de contrat, on le prolonge de 2 ans pour éviter une catastrophe. Enfin, une catastrophe. Bien sûr, les catastrophes, on en voit tous les jours à la télé, c'est pas une catastrophe, mais oui. Au moins ils auraient récupéré un peu d'argent par rapport à la vente de Marwan. Maintenant, bon, il est parti libre, tant mieux pour lui. Allez, on va passer au premier thème de cette émission, après être entré quand même dans une discussion très intéressante. Merci à tous d'être sur le chat, sur YouTube. Allez-y, partagez, vous êtes presque 200 en direct. On a battu le record de connexion avec plus de 4000 quasiment 500 vues la semaine dernière. Merci, vous êtes plus de 4500 à nous regarder chaque semaine. Le thème de suivant, eh bien c'est simple, c'est je suis en train de le chercher. C'est Jean-Louis Gasset. Est-ce que c'est un handicap pour Jean-Louis Gasset de ne pas avoir fait de préparation? Gino, là-dessus, est-ce que pour toi, il va être handicapé parce qu'on devait jouer, il arrivait il y a une semaine, il y a 7 jours, on devait jouer face à Auxerre le match de préparation et finalement, le match est annulé et sa première, ça sera directement face à Nantes samedi. Ah oui, pour moi, c'est totalement quelque chose qui est négatif pour Gasset, puisqu'il arrive, il a besoin de prendre ses marques, même si les joueurs, il a eu sûrement du travail avant pour voir un peu l'état de son groupe, et il connaît l'équipe de Bordeaux, il était en Ligue 1, il entraînait, donc il est resté proche du foot français. Mais quand même, quand on veut changer un système,
on veut mettre de nouvelles, peut-être de nouveaux hommes en place, dans d'autres positions. On n'a pas eu le temps de faire des matchs amicaux, donc tester l'équipe qui s'est préparée pendant de longues semaines avec Paulo Sousa, qui sort de semaines difficiles mentalement. Il l'a dit lui-même, il a trouvé un groupe mentalement qui était en difficulté. Il vient de le dire aujourd'hui. Donc pour moi, ça me pose énormément de questions. On en revient aussi à la gestion du club sur ce dossier-là, qui a tardé énormément sur le dossier Sousa et qui a très mal géré pour moi la préparation de la saison. Donc pour moi, oui, c'est un handicap pour Gasset et son staff pour bien démarrer l'année. Maintenant, j'espère que ce sera pas le cas et qu'on aura un bon résultat quand même samedi. Hervé, toi, tu as été joueur, tu as fait des préparations comme ça. Quand tu as un coach, déjà, on profite de ta présence, hein, Hervé Bunier, avec nous. Quand on a un changement de coach comme ça, ça se vit comment dans un groupe ? C'est un double tranchant. Comme je le disais tout à l'heure, avant qu'on débute l'émission, quand il y a un nouveau coach, mais ceux qui, entre guillemets, ne jouaient moins auparavant, ils vont se dire, bon, vu qu'il y a un nouveau coach, on va essayer de redoubler d'efforts pendant l'entraînement pour essayer de se montrer, pour essayer de gagner peut-être une place de titulaire. Et il y a ceux qui sont normalement en place dans le 11 de départ qui se disent, merde, il y a un nouveau coach, il va peut-être falloir aussi que je redouble d'efforts pour pas perdre ma place. Parce que ceux qui ne jouent pas vont avoir les crocs et vont vouloir se montrer. Donc, c'est vrai que quand il y a une arrivée, bon là, c'est vrai, c'est encore une fois, on parle de gestion, mais là, le club a fait un peu n'importe quoi. Je pense qu'ils savaient dès le départ que Paulo Sousa allait partir. Ils auraient dû effectuer tout ça en amont et trouver un accord pour qu'il s'en aille et qu'après, le nouvel entraîneur, en l'occurrence, Jean-Louis Gasset, puisse prendre part de l'effectif et qu'il puisse au moins avoir un match amical. Maintenant, c'est vrai que le match amical dernièrement a été annulé. Donc, le match amical devient un premier match de championnat. Donc, et tout en sachant que le premier match de championnat ou les deux ou trois premiers matchs de championnat sont importants, parce que si on les loupe, derrière, il va falloir rattraper le train qui est déjà parti et on risque de se retrouver directement dans le ventre mou ou en bas du championnat et on sait que c'est très compliqué après de remonter. Donc dès ce premier match, il va falloir être attentif et montrer les crocs. Joe, pour toi, bon alors c'est un peu, je sais pas si j'enfonce une porte ouverte, mais c'est un handicap, c'est sûr, de cette arrivée, pas de match de préparation. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Gasset? Après, il y a juste une chose, c'est que Jean-Luc Gasset, c'est à peu près depuis un mois qu'il va arriver au Girondin, donc je pense que Camille avait un œil sur la préparation, sur ce qui se passait. Peut-être qu'il avait même des contacts directement dans le club pour savoir un petit peu ce qui allait être fait, etc. Peut-être même avec Bédoué, avec des personnes avec qui il a déjà travaillé dans le club. Donc oui, effectivement, c'est un handicap parce que je pense pas que Gasset ait la même philosophie, le même système de jeu que Paulo Sousa. Je regardais un petit peu justement ses dernières compos quand il était à Saint-Étienne. Le système est à quatre défenseurs de base, etc. Donc c'est pas forcément le même système. Maintenant, voilà, il est là maintenant. Enfin, pour moi, tout s'est fait mal et trop tard. De toute façon, je l'ai dit et plusieurs fois, je trouve que tout ce qui se passe est catastrophique en termes de gestion et de préparation. Il dit clairement que les joueurs sont déjà fatigués mentalement. Donc déjà, on va déjà remettre un petit peu du baume au cœur, je pense, aux joueurs, un petit peu remettre la tête à l'endroit. Et après, on va essayer de travailler quelque chose tactiquement, mais je pense que ce premier match, le but du jeu, c'est surtout de retrouver un petit peu le plaisir et l'envie dans tout ça, quoi, je pense, pour les joueurs. Parce que ces derniers mois, pour les joueurs, malgré tout, même s'ils ont pas trop été touchés, ils ont pas trop parlé, etc., enfin, ils ont pas été touchés par les supporters, etc., je pense que mentalement, ça doit être compliqué de voir un club où tu sais pas où ça va. Donc, Gasset, il est très bon, je pense, pour ça, il est très bon pour encadrer un petit peu tout ça, remettre un petit peu l'esprit à l'endroit des joueurs, et puis après on verra ce qui se passe sur le terrain. Mais ce match de ce week-end, j'attends pas grand-chose parce que Gasset est là depuis une semaine. On espère juste voir des joueurs qui ont envie et qui prennent du plaisir un petit peu dans tout ça. Voilà. Justement, en conférence de presse là, cet après-midi, il était présenté, Jean-Louis Gasset, et il a déclaré « J'ai trouvé un groupe un peu traumatisé par ces 6 dernières semaines. Pour avoir fait des réunions collectives ou individuelles, j'ai senti cette lassitude par rapport au feuilleton qui durait. » Et il parle, Hervé, de ce que tu disais sur le fait que ça a duré, que ça a mal été géré. Tu l'as dit toi aussi, Gino. Donc, il s'appuie sur un staff. Plazil est arrivé, Bédoué est arrivé. Et Hervé, il y a un membre du staff que tu as connu. C'est Ghislain Printemps. Tu as connu à Montpellier. Comment on peut le décrire? Il a l'air très joyeux, très bonhomme, comme dirait Pierre Hermic.
Gislain Printemps, c'est une personne qui aime ses joueurs. On l'a vu à Bastia. C'est quelqu'un, moi je l'ai connu un peu à Montpellier pendant les années et demie que j'ai passé là-bas. Bon, un coup il était avec nous, après il était avec la réserve, donc mais je l'ai connu à Montpellier. Et voilà, c'est quelqu'un qui bon, on le voit, qui est très proche de ses joueurs. Et de part, c'est un mois et demi, deux mois de flottement dans ce club, de non-décision, est-ce que Paulo Sousa va partir, etc. Je pense que ces deux personnes-là, Jérôme Gasset et Gislain Printemps, vont redonner, je pense, dans ce groupe, une âme et de la joie de vivre. Même si, bon, je fais une aparté, je sais que Duprat, il voulait pas que j'ai de joie de vivre, mais il en faut dans un groupe, c'est important, et je pense que, voilà, Jean-Louis Gasset, c'est un peu du volant courbis, quoi. Donc, quand on doit faire rigoler les mecs pour, voilà, qu'ils oublient dans le club, je pense qu'ils vont avoir les mots pour rebooster le joueur, parce que, ben là, on a une échéance, contre Nantes à la maison, où il va falloir quand même répondre présent parce que c'est chez nous, et il va falloir bien démarrer par une victoire. Maintenant, bon, s'il n'y a pas de victoire, on va pas créer une catastrophe, mais il va falloir le temps pour qu'il mette aussi son 11 en place. Est-ce que les joueurs, ils peuvent réapprendre un système de jeu comme ça assez rapidement? Ils sont professionnels. Alors moi, je me rends pas forcément compte de comment un groupe peut s'adapter et mémoriser un autre système. Est-ce qu'il va s'appuyer sur ce que faisait Paulo Sousa en termes de système, ou les joueurs sont capables de faire autre chose? Non, les joueurs, c'est des professionnels. Il y en a, ça fait 10 ans qu'ils font ça, donc ils sont déjà passés par des systèmes à 3, à 4, à 5. Enfin, moi, déjà, le système à 3, je n'aime pas. Pour moi, c'est un système à l'ancienne, en 4-4-2, avec soit 3, 1, 10 et 2 attaquants, ou alors en losange et deux pointes. Et voilà, pour moi, ce sont les systèmes de jeu du football moderne. Jouer à trois derrière, il faut que les deux sur les côtés, ils aient 22 de VMA. Donc voilà, maintenant, je pense que voilà, les joueurs sont à même de s'identifier à un système de jeu. Et donc voilà, je pense que Jean-Louis Gasset va imposer son système et pas se reposer sur ce qui avait été fait. D'accord. Gino, tu veux réagir et après Joe? Non, je pense que Hervé a raison. C'est ce que va faire Jean-Louis Gasset, selon moi. Faire quelque chose de plus simple, entre guillemets. C'est-à-dire un système avec quatre défenseurs, déjà. Et sûrement un 4-4-2, ça me semble assez logique, connaissant le personnage, avec en oubliant un peu ce qui a été fait avec Paulo Sousa, notamment au niveau des pistons. Et je pense qu'il va essayer de mettre les joueurs sur des fondamentaux qu'ils avaient avant et des choses plus simplistes, comme j'ai dit, entre guillemets. Alors après, on verra sur la durée si ça va marcher. Mais en tout cas, les remettre en confiance par un système plus simple. Tu sais qu'Hervé, on a énormément débattu sur les pistons hein, dans cette émission. On a passé tout le temps, Paulo Sousa était là, à débattre sur le rôle des pistons. Alors t'entendre dire que toi, ça te convient pas, c'est vrai que Joe n'a jamais compris ce système de pistons. Quoi, tu l'as compris, mais par rapport à l'effectif bordelais. C'est ça, c'est que je trouvais qu'il y avait les joueurs qui n'étaient pas adaptés, on le voyait très vite, les Kalou, les Camano, etc. Je ne voyais pas comment on peut les mettre en piston. C'est des joueurs qui ont besoin d'être libres devant, pour moi, d'avoir le ballon et d'être libres dans leurs pensées, justement, et de ne pas s'occuper de ce qui se passe derrière. Donc quand tu brides des joueurs comme ça, qui sont un petit peu à l'instinct, voilà, pour moi, ça me paraît compliqué d'aller contre nature. Après, Gasset, j'ai regardé sa dernière composition, on n'est pas loin d'un 4-4-2, il y a les quatre défenseurs. Il y avait deux milieux récupérateurs, relieurs, c'était Mvila et Cabella, qui étaient à la hauteur justement d'Mvila. Il y avait un 10 qui était Cazerie. Je pense que Depréville peut occuper ce rôle-là en étant un petit peu en courant partout. Il y avait deux ailiers sur les côtés et tu avais une pointe, c'était Beric. Je pense qu'il a l'effectif pour jouer dans ce système-là et je pense qu'il va garder ce truc-là pour moi. Est-ce qu'il va le faire contre Nantes directement? Je sais pas. Ça me semble être une bonne idée parce qu'il y a plein de joueurs qui peuvent jouer justement dans ces postes-là qui, je pense qu'ils les ont déjà pratiqués à haut niveau. Donc, moi, je pense que ce système-là, en tout cas, qu'il a utilisé, est totalement adapté à son effectif. Donc, après, les pistons, je pense que les pistons, on va les oublier. Et je pense que c'est une bonne chose pour cet effectif-là. On va pas je pense qu'on en a débattu 107 ans. Alors, je vois Gino, il lève la main. Gino, il veut réagir. Vas-y.
J'ai un petit exemple à donner. Je sais que vas-y, tout le monde n'aime pas les pistons et j'entends les arguments de l'effectif bordelais qui n'était pas adapté. Bon, on a vu qu'en termes de résultats, ça ne s'est pas bien passé. En termes de mentalité de joueurs et de joueurs qui ont progressé, je regarde un peu les autres clubs et le foot européen, comme vous, j'imagine. Et il y a un exemple, moi, qui m'a assez frappé, même s'il est au début, hein, et j'espère qu'il durera sur le temps. Mais un joueur qui joue à l'Olympique Lyonnais, qui s'appelle Maxwell Cornet, qui joue un peu dans ce rôle de piston gauche, si on regarde bien avec Lyon, et qui est en train de faire de très bons matchs, qui est dans la mentalité très bon, même défensivement, alors que ce n'est pas sa qualité première. Et il est en train de se découvrir même des qualités, ce joueur, je pense. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir des joueurs dans d'autres clubs qui mettent la mentalité au service du collectif et qui prouvent que, quelque part, même en étant un ailier ou un attaquant de formation, on peut essayer de s'intégrer à un collectif et être plutôt très bon au haut niveau européen. Pas la Ligue 1, hein, le haut niveau européen. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Maxwell Cornet, pour moi, c'est une révélation en ce moment, à ce poste-là. Mais peut-être qu'il avait un profil. Je ne sais pas, Hervé, si tu veux répondre à Gino. Après, tout dépend aussi de l'effectif, comparer l'effectif lyonnais et l'effectif bordelais. Parce que bon, quand il fait des apports offensifs, certes, il est efficace, etc. Mais il sait très bien que s'il y a un souci, derrière, il va avoir 10 guerriers. Maintenant, est-ce qu'à Bordeaux, ces 10 guerriers, on les a ? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Maintenant, voilà, Maxwell Cornet, c'est quelqu'un quand même. On l'a vu dernier match de Ligue des Champions. Voilà, il y a un client. Maintenant, ouais, piston, pas piston, moi c'est le sujet, il est clair. Allez, messieurs, téléphone. On accueille Philippe Etchemendi au téléphone. Salut Philippe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Bon, comment ça va du côté d'Anglette et du Pays Basque? Ouais, au Pays Basque, ça va un peu, temps un peu couvert aujourd'hui, mais apparemment le soleil est mis le reste de la semaine, donc ça va, on va retrouver le sourire. Bon, t'es allé les voir s'entraîner, les Girondins, cette semaine, à Saint-Paul-les-Dax. La semaine dernière. Voilà, qu'est-ce que t'en retiens, toi? Tu veux réagir par rapport à Gassé, l'équipe qui met en place, sa façon de travailler, qu'est-ce que t'as envie de nous dire? Ouais, alors sur la séance en elle-même, pas grand-chose, parce qu'ils ont fait du gainage et de la plio. Ah oui. Donc, mais c'était plus sur l'état d'esprit général, la façon de travailler qui est quand même complexe. Ils étaient plus de 30 sur la pelouse. Je trouve que ça rend quand même les choses relativement compliquées, puisqu'on n'est plus complètement en début de saison quand même. Il faudrait déjà qu'il y ait une ossature qui se dégage. Et là, évidemment, on a l'impression qu'au moins sur ce plan-là, ils repartent de zéro. Et après, sur l'attitude générale, je trouvais que Printemps faisait du Printemps, donc avec toutes ses qualités et à mon sens parfois des défauts, un peu de relâchement. Par contre, j'ai beaucoup apprécié moi la présence de Yaro Plasil, quoi. On sent que c'est lui qui va être un peu le fil conducteur et qui va rattacher un peu tout ça aux Girondins. Il est plus fit que tous les autres joueurs, il est affûté comme jamais. Il est toujours aussi exigeant sur tout le moindre détail. Enfin, à regarder un petit peu les attitudes, je trouvais que voilà, j'étais pas spécialement pour moi à la base l'arrivée de Gassé. J'ai rien contre lui, mais j'étais voilà, c'était pas un truc que je sentais. Je trouve que l'apport de Plasil peut être quelque chose d'intéressant pour le groupe. Ouais, moi Plasil, ça m'a surpris qu'il arrive si vite, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est très bien intégré au club, Plasil, et il a cette reconnaissance du club et t'as le sentiment que le club veut l'amener. Je sais pas. Ils ont peut-être senti aussi que les joueurs étaient moins bien et que Plasil était un capitaine il n'y a pas si longtemps, c'est un meneur d'hommes, il avait montré aux Girondins. Donc c'est un joueur qui est très technique, au début des années 2010, quand justement tout le monde était parti, il était encore là et on voyait que c'était le meneur de jeu de l'équipe et le leader. Donc il peut peut-être avoir ce rôle-là, justement dans les entraînements, etc., et être un relais, comme a dit justement Philippe, et apporter une osmose et remontrer un petit peu l'envie de mouiller le maillot parce que. On sait que Plasil est quand même resté 8-9 ans, 10 ans même, je crois, dans ce club. Je pense que s'il n'a pas l'amour du maillot, lui, je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont, quoi, actuellement. Donc, voilà. Hervé, sur Plasil, je ne sais pas si tu as quelque chose à... Et non, je l'ai vu il y a 3 semaines de ça, et il était presque sur le point de partir. Donc voilà, j'apprends qu'il vient d'intégrer... Le staff, mais c'est quelque chose de. En plus, il vient d'obtenir son diplôme pour entraîner avant les pros.
mais ça peut être quelque chose de bénéfique pour tout le monde, pour le groupe, pour les jeunes aussi, parce que bon, je pense que dans le groupe Doc Bordelais, il faut des anciens, mais il faut aussi de la jeunesse. Alors, on parlait tout à l'heure des jeunes qui ont signé pro, alors peut-être ça ne sera pas eux, mais voilà, ils seront peut-être aussi à l'écoute pour faire le relais entre le coach, les joueurs, et ils seront aussi à l'écoute voilà, d'un ancien qui a porté le maillot bordelais pendant des années, et je pense que ça peut être que bénéfique. Est-ce que tu sais, alors tu connais certainement bien Mathieu Chalmet, qui est de ta génération, vous avez été formés ensemble, est-ce qu'il y reste ou pas? Est-ce qu'il a pris les U17 ou il est parti? Tu sais, bon, c'est peut-être confidentiel, je ne sais pas. Hein, mais... Non, je ne sais pas du tout. Dernière nouvelle, il était encore avec la réserve. Est-ce qu'il va prendre les 17? Je ne sais pas. D'accord. Philippe, est-ce que tu as assisté à l'accrochage entre Ottavio et Alexandre Mendy? Non, parce que ça s'est fait l'après-midi ou en soirée, voilà, deuxième entraînement. Et moi, j'ai assisté à celui du matin. Donc non, j'ai pas vu ça, mais bon, je pense que c'est un incident d'entraînement relativement classique. Ça arrive souvent, ça. Oui. Il y a du caractère. Oui, c'est bien. Ça arrivait souvent, ça. Ça arrive souvent parce que nous, on le voit pas en tant qu'observateur pendant les entraînements des accrochages. Oui, ça arrive. Des fois, c'est rare hein, que ça en vienne aux mains, mais un tacle qui n'est pas trop la bienvenue, on le fait rappeler. Oui. Moi, à Evian, avec Guillaume Ripper, je me suis déjà accroché. À Montpellier, avec le jeune Fatiati, je m'étais accroché. Voilà, ça arrive. Lolo Pionnier, en entraînement, je lui avais fait une palenka, il m'avait accroché sur tout le terrain. Il voulait me tuer, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Je ne ferai pas en match. Bon, c'est vrai, il avait raison, je n'étais pas quelqu'un de couillu, comme on dit. J'aurais pas fait en match. Mais j'avais fait l'entraînement, il avait pas trop aimé. C'était vexé. Ouais. Il m'avait coursé, il voulait me taper. Bon, j'ai couru plus vite. Ouais, mais... Bon, après, ça s'est calmé, il rigolait, mais sur le coup, il rigolait pas. Ouais, ça peut arriver. Ça. Ouais. Il y a des sanguins. Ouais. Bon, les gars, Joe, tu voulais réagir? Non, moi, ça me dérange pas. Au contraire, moi, ça me plaît quand des joueurs, justement, montrent un petit peu, réagissent, ça montre du caractère, ça montre... Je préfère ça plutôt que des joueurs qui se regardent entre eux, qui se mettent pas de coups, qui font juste tourner un ballon et qui arrivent pas à mettre d'intensité dans un entraînement. Alors, je sais pas si c'est une question d'intensité ou juste un geste maladroit au départ. J'ai l'impression que c'est plus de la maladresse de Mendy, je crois, qu'autre chose. Mais si des joueurs se rebiffent, pour moi, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ça peut aussi arriver en match quand t'as une opposition qui est un peu compliquée aussi derrière. Ça montre du caractère. Donc, moi, ça me gêne pas. Au contraire. Tant que c'est pas excessif, c'est toujours pareil. Après, faut pas, voilà. Mais voilà, ça me gêne pas et ça arrive même au niveau amateur. Moi, je me rappelle quand je jouais au foot, il se passait pas un mois sans qu'il n'y ait pas un accrochage d'entraînement, quoi que ce soit. C'est normal. Bon, il a fait une petite balayette à Ottavio, Mendy. Voilà. Solide, hein, Mendy. Ouais, Mendy, c'est solide. Oui. Est-ce qu'il va partir d'ailleurs, Alexandre Mendy? Philippe, ton avis sur Mendy? T'aimerais le voir rester pour occuper la pointe? J'ai rien contre lui, mais c'est pas le profil que je préfère non plus. Après, en termes d'état d'esprit, il y a absolument rien à lui reprocher. Voilà, début de saison sur les matchs de prépa, il est présent, il fait du Mendy. On voit que l'année dernière, il avait quand même beaucoup souffert à prendre sa place. Il était en concurrence surtout avec Charbonnier. Il venait souvent en second. Bon, j'ai tendance à dire que on est les Girondins de Bordeaux et que peut-être devant, on pourrait avoir des joueurs d'un autre calibre. Maintenant, s'il reste pour dépanner, pour faire des bouts de match, je ne vais pas cracher dessus non plus. Si c'est notre titulaire indiscutable, je vais me poser des questions. Ah bon? Après, de toute façon, bon, on va voir. D'ailleurs, conférence de presse, aujourd'hui, on lui a posé une question sur le brassard de capitaine à Jean-Louis Gasset. Un journaliste lui a posé la question de savoir s'il avait décidé quel joueur allait porter le brassard. Il n'a pas répondu. Il a dit « j'ai pas décidé ». Donc ça veut dire que tout est redistribué. Hein. C'est Moi, je suis surpris quand même. Je serais surpris qu'il enlève le brassard à Costil. Hervé ? Il l'enlève, c'est pour le mettre à Costil. Voilà. Ouais. Voilà. Il va le mettre à qui d'autre ? Oui. Je ne vois pas notre joueur porter le brassard. Et puis le brassard, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a du recul sur le jeu. Donc, soit un défenseur... Alors, on a vu Jean-Pierre Papin qui était capitaine, machin, mais c'est vrai que quand c'est soit un gardien de but ou un défenseur, mais il a plus la vision et il peut plus commander ses joueurs qu'il a devant, je pense. Donc, au moins, il ne va pas changer ou alors il mettra Koscielny. Gino ? Ouais, j'attends de voir.
parce que c'est un choix quand même qui est très important. Comme tu l'as dit, Costil quand même est dans une période où il change d'entraîneur. S'il perd le brassard, ça peut être encore quelque chose qui le met un peu, pas en difficulté, mais qui change des choses quand même dans sa position aux Girondins. Est-ce que Costil arrive à fédérer des hommes autour de lui et à les amener à un certain niveau d'exigence? C'est une question qui peut être posée peut-être aussi. Ouais. Après, ce que c'est pas Costil qui voulait peut-être plus être capitaine, et je me demande si Gassé préfère pas un joueur de champ capitaine. Moi, je suis plus joueur de champ capitaine que gardien. C'est toujours pas. Après, c'est juste une sensation personnelle, mais je préfère quand un joueur au corps du jeu, parce que le gardien sera toujours entre guillemets un capitaine de sa surface et de sa défense. Le gardien parlera toujours de toute façon, donc il sera pas au cœur du jeu. Donc un défenseur comme Koscielny, un mec comme Koscielny, t'es obligé de le respecter derrière. Donc voilà. Est-ce que Costil a voulu aussi garder le brassard? C'est peut-être pas sûr non plus. Voilà. J'ai vu des questions sur le chat là. Merci d'être aussi nombreux. Hein. Merci à vous. Allez-y, envoyez du like et partagez la vidéo si vous êtes sur YouTube. Question sur Grillo, Paolo Grillo, l'entraîneur des gardiens. Oui, il quitte. Il est plus l'entraîneur des gardiens. C'est Fabrice Grange, l'ancien entraîneur des gardiens de l'AS Saint-Étienne, qui le remplace. Voilà, celui qui entraînait Stéphane Ruffier. Voilà. Philippe, qu'est-ce que tu veux ajouter là? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu veux passer un message sur les Girondins? Non, ajouter. Ben moi, j'ai été déçu évidemment de l'annulation du match à Auxerre parce qu'une semaine avant, ça aurait permis à Gassé de montrer un peu vers quoi il voulait aller et faire passer certains messages. Je pense à tout le monde. Aujourd'hui, on ne sait rien en fait, donc je pense que tout le monde est impatient. Alors eux, ils travaillent et ils ont fait une opposition, mais c'est vrai que voilà, on entend parler de 4-4 de losange, oui, d'accord, mais qui va animer les côtés, voilà, on entend parler de choix de capitaine, on entend parler de plein de choses, et puis on a l'impression qu'on se retrouve au 22 juin et qu'ils reprennent et que pas grand chose a été fait. Donc on est à la fois impatient, en tout cas je suis à la fois impatient du match de samedi, et puis en même temps inquiet parce qu'on ne sait pas du tout où on va. Voilà, donc on disait que la situation ne pouvait pas être pire. J'espère qu'elle pourra pas être pire que ce qu'on a vécu. Je sais pas. Non, quand même, là, ils ont placé des hommes. Normalement, on est censé remonter la pente. Non, mais il a raison. Philippe, quand même, on a perdu énormément de temps. Oui. Dans ce qu'il nous dit, il a raison. Au-delà de la situation du club, qui est très mauvaise, au niveau sportif, c'est hallucinant, quoi. Catastrophique. Justement, ça m'amène à parler. Gino, tu fais bien de rebondir dessus. Philippe, je te remercie d'avoir été avec nous. Merci à vous. Un bonjour à Hervé, avec qui je partage une grande reconnaissance à son ancien entraîneur, voilà, un des personnages les plus, à mon sens, détestables du football français. Donc, j'ai relu ses histoires à Evian Tolongaïa, et ça ne me surprend pas quand on voit tous les vilaines choses qu'il laisse à chaque fois quand il passe quelque part. Voilà, donc il parle de l'homme qui signe PD. Voilà. Le PD. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, c'est lui qui dit Pascal Dupraz, bien sûr. Voilà, bien sûr. Monsieur Communication qui a dû faire la même école que notre président actuel, je pense, en termes de com. Allez, petit tac à Emmanuel Macron, au passage, bim. Non, je parle de notre président des Girondins. Ah, d'accord, non, ça. Ça. Pas de politique qui ah mince, je suis monté très haut, moi, direct sur Macron, quoi, direct. Hein. Non, je pense qu'on peut s'arrêter à notre président actuel qui a encore montré en termes de com toutes ses qualités aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a plus rien à commenter tellement c'est. Oui, c'est vrai. Mais tellement c'est triste et pitoyable. Ouais, c'est vrai que. Tu sais que pour débuter l'interview, Hervé, avec toi, je voulais te dire. Oh, on a avec nous un homme qui a connu Pascal Dupraz en entraîneur. Je voulais débuter comme ça, tu vois. Il vient tout de suite sur le sujet. Hein. C'est vrai qu'il laisse pas insensible tous les gens qui l'ont croisé, cet homme. Bon. Ouais, il fait tout pour. Ouais, allez, bon, tu veux pas t'exprimer dessus, tu as raison. Bon, voilà. Allez, bon, en tout cas, merci Philippe. Et puis un coucou à Emmanuel Macron. Ouais. Si jamais il vient passer 2-3 jours au Pays Basque, il est en jet ski en ce moment. Il fait du jet ski, t'as vu? Ouais, j'ai vu ça, en gilet jaune. Avec mamie, avec maman, pardon. Ouais. Allez, ciao. Salut, ouais, bonne soirée. Bye. Au revoir. Ouais. Bon, allez, il faut se faire plaisir un peu. Allez. Allez, vous savez, c'est l'heure du petit jingle supporter pour la question ballon.
Allez, la question ballon, vous voyez, ça s'affiche sur votre écran. Elle est en lien avec notre invité. Alors non, elle ne s'est pas affichée, voilà, elle va s'afficher sur votre écran. Elle est en lien avec notre invité. Pour gagner avec notre partenaire, le château Enclos au Mazères en Pomerol, un super domaine à visiter. Vous pouvez visiter et apprendre comment on fait le vin, le vignoble. C'est à Libourne, domaine de Pomerol. Bon, on vous pose une question, il y a une dégustation à gagner pour 5 personnes. Vous n'êtes pas obligé de goûter, mais bon, moi je vous le conseille, hein, en précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Quel entraîneur français est né à Sainte-Foy-la-Grande, comme notre invité Hervé Bunier, et il y a un entraîneur français qui est né à Sainte-Foy-la-Grande et qui a joué aux Girondins de Bordeaux. Il n'a jamais entraîné les Girondins, mais il y a joué. Il entraîne encore en Ligue 2. Donc si vous avez la réponse, vous m'envoyez un SMS au 06 61 30 39 67 06 61 30 39 67 et mais le premier qui a la réponse mais il gagne, voilà. Donc je répète, quel entraîneur français né à Sainte-Foy-la-Grande en Gironde comme notre invité Hervé Bunier a joué, quel est cet entraîneur là il a joué au Girondin de Bordeaux et il entraîne un club que Bordeaux aurait dû affronter ce week-end. Voilà. Voilà, t'as aidé du monde là. Toujours plus. Yannick Fischer, je crois qu'il est né à Sainte-Foy-la-Grande aussi. Yannick Fischer aussi est né. Ah, voilà. Ah, je savais pas. Et qui fait du Yannick Fischer, il fait toujours du beach soccer. Beach soccer, ouais. Ouais. Mmh. D'accord. Ouais. Il y a pas mal de joueurs qui se sont reconvertis là-dedans, beach soccer. Ah, ouais, le foot. Il est né à Sainte-Foy-la-Grande. Ah ouais, Yannick Fischer est né à Sainte-Foy. Et Sainte-Foy. Il y a ça, le foot golf aussi. Le foot golf, il y a beaucoup d'anciens joueurs là, qui s'y mettent aussi pas mal. Au foot golf ? Alors j'ai eu l'occasion d'en faire, c'est pas évident. Hein. Ouais, Kamel Meriem fait du foot golf. Qui ça ? Qui ça ? Kamel Meriem. Kamel Meriem, oui. Ah ouais. Ah, oui. Il était mon collègue de chambre quand j'étais à Bordeaux et que j'ai vu récemment pour un jubilé à Mulhouse de Fabrice Herret. Joueur passé par Evian et Cologne en Allemagne. D'accord. Et il effectue du foot golf. Il en fait. Mathieu Chalmé aussi, je crois. Mathieu Chalmé aussi, foot golf. Ouais. Foot golf, j'essaie de pas... Ouais. Joueur de talent, Kamel Meriem, non, Hervé? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense qu'il. Alors, déjà, il a fait une belle carrière, hein, mais je pense qu'il aurait encore mieux fait. Tout comme Pascal Feydoulou. Hein. Mmh. Parce que j'ai connu, j'ai eu la chance de connaître, qui, voilà, ce sont des génies du football, ces mecs-là. Mais bon, Pascal, il pensait sa vie à rigoler, il pensait le foot, c'est de l'amusement pour lui. Mais oui, quand même, Meriem, on ne savait même pas s'il était droitier ou gaucher. Il n'y avait aucun problème avec ça. Et voilà, c'était quelqu'un de très bien en plus. Mais oui, footballistiquement parlant, quand même, Meriem, c'est du lourd, du haut niveau. Très haut niveau. À Bordeaux, il avait eu du mal à s'intégrer. Ouais, de toute façon, il y a plein de joueurs qui ont fait des très belles carrières et quand ils sont arrivés à Bordeaux. Ouais, Didier Deschamps, il est passé par Bordeaux. Bon, ouais, il est passé par Bordeaux, quoi. Mais bon, il a fait une super carrière derrière. Mais il y a plein de joueurs. Cantona, il est passé par Bordeaux. Bon, c'est pas mal, mais bon, derrière, voilà. Enfin, ce qu'il a fait, The King. Mais ouais, il y a plein de joueurs qui passent par Bordeaux où derrière, ça se passe bien. Mais quand ils sont chez nous, je sais pas, peut-être qu'ils vont trop à la plage ou j'en sais rien. Je sais pas, ouais, bon, il y en a qui ont réussi, heureusement, mais. Oui, bien sûr. Bon, après, Meriem était comparé à Zidane de suite, oui. Qui restait la génération plus carrée et tout. Et même, je trouvais que c'était quelqu'un d'un peu introverti, donc est-ce qu'au niveau du caractère aussi, il aurait pu aller plus haut en termes de mentalité, de caractère? Je me rappelle qu'il parlait pas beaucoup. Après, techniquement, il était juste au-dessus de tout le monde. Oui. Mais t'avais l'impression que peut-être il imposait pas trop certaines choses, je sais pas, dans ses idées, dans. Voilà, je sais pas. Je me rappelle, il était parti à Marseille après, il était revenu l'année suivante, c'est là qu'il a, à Bordeaux. Il a connu l'équipe de France à ce moment-là avec Mavouba. Et après, il est parti à Monaco, il a disparu. Donc après, c'est vrai que c'est dommage parce que quand il est arrivé à Bordeaux, moi, j'avais vu un joueur, c'est pareil, j'attendais beaucoup de lui parce que tu voyais que techniquement, c'était tellement au-dessus de tout. Mais il y avait Savio qui est arrivé, il y avait Fendouno, il y avait pareil, il y avait de la concurrence aussi, hein, à ce moment-là. Ah, j'ai un gagnant à la question ballon. C'est Joshua qui a trouvé que c'était Jean-Marc Furlan, bien sûr. Qui est né à Sainte-Foy-la-Grande, qui entraîne la JOCR, qui a entraîné de nombreux clubs, et jamais Bordeaux. Toi, Gino, tu militais pour qu'il vienne Jean-Marc Furlan. Hein, oui, totalement. Ouais, bon. Je pense que ça serait un choix vraiment intéressant, mais je ne suis pas sûr que ça se fasse un jour.
T'en penses quoi, toi, Hervé, de Furlan, sa vision du foot? Et il a fait les beaux jours de Troyes. Alors, il a fait pas mal de fois l'ascenseur avec l'équipe troyenne. Mais voilà, je pense que c'est un bon technicien aussi. Il a eu sa chance bon, en Ligue 1 avec Troyes. Bon, malheureusement, il a connu deux descentes, je crois. Et voilà, maintenant, est-ce qu'un jour il viendra à Bordeaux? C'est une bonne question maintenant. Et comme les joueurs, il y a des joueurs qui sont faits pour la Ligue 2 et quand ils vont en haut, ben c'est un peu plus compliqué. Bon, je parle un peu de mon cas parce que moi, c'est vrai que j'ai fait quasiment ma carrière en Ligue 2, à part j'ai fait 15 matchs à Bordeaux. Mais bon, voilà, et puis c'est comme les entraîneurs, il y a des entraîneurs qui peuvent faire que leur carrière en Ligue 2 parce que le haut niveau, il y a des exigences, pardon. Et du coup, c'est pas évident. Et quand ils reviennent à l'échelon inférieur, ça se passe bien. Donc maintenant, il faut avoir la chance aussi. Petite précision par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière. C'est vrai que Jean-Louis Gasset a dépassé la limite d'âge, mais pas Ghislain Printemps qui a les diplômes. Il a 59 ans. Je l'avais vieilli la semaine dernière. Donc. Je corrige les fausses informations que j'ai données lundi dernier. Bon, comment aborder ce match, la reprise? On en a déjà un peu parlé. Nantes, énormément de blessés, équipe touchée par le Covid. 7-8 joueurs qui l'ont eu depuis fin juillet. Bordeaux, à part Samuel Kalou, et qui est revenu dans le groupe, il n'y a aucun joueur qui a été atteint du Covid. On sait que la Ligue met en place un protocole 4 jours avant le début du championnat, alors que le championnat est arrêté depuis 5 mois hein, quand même. Hein. Ils attendent 4 jours avant pour mettre le protocole en place. S'il y a plus de... Alors, ils vont le définir, ce protocole, mardi ou mercredi, mais ce qui a filtré dans la presse, c'est que s'il y a plus de 4 joueurs qui ont... S'il y a 4 joueurs, qui ont au moins 4 joueurs qui ont eu le Covid sur 8 jours glissants dans ton effectif, tu ne peux pas jouer. Ou alors il joue avec le masque. Ouais. Ça va être compliqué pour communiquer quand même. Hein. C'est... Donc nous, on n'a pas d'absent, mais on n'a pas fait match de prépa. Nantes a fait 3 matchs de prépa, dont le dernier à la Bolle samedi dernier. A priori, les 8 jours glissants sont passés, donc ce match pourrait se jouer, et devrait se jouer, sauf alerte. Comment on aborde ça quand on est joueur? Hervé, là, toutes ces conditions, est-ce qu'il faut rester focus? C'est dur dans la vie d'un joueur sur son objectif, son hygiène de vie, etc. Alors déjà, quand on fait un mois ou un mois passé de préparation, on n'a qu'une hâte, c'est que le premier match du championnat commence. Parce que courir quasiment tous les matins, que l'entraîneur vous dit ce matin ou demain matin, il n'y aura pas de ballon, c'est-à-dire qu'on va faire que courir. On n'a qu'une hâte, c'est que les premiers matchs amicaux commencent et que surtout le premier match de championnat débute. Maintenant, avec toutes les péripéties qu'il y a eu au Girondins de Bordeaux depuis un mois et demi, avec les histoires des présidents, des actionnaires, du coach, partira pas. Maintenant, les joueurs nantais, est-ce qu'ils vont pouvoir venir à Bordeaux parce qu'il y en a eu qui ont eu le Covid? C'est vrai que c'est pas évident tout ça à gérer. Maintenant, voilà, les joueurs sont des professionnels. Ils ont qu'une hâte, c'est d'être le 22 août, avoir leur équipement et débuter contre. J'espère qu'il y aura au moins 5000 personnes au stade. Donc, oui. Donc, voilà. Pardon. Oui, 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 oui. On espère qu'il y aura. Oui, elle devrait y être. Oui. Oui. Voilà. Ça va être une autre histoire. Maintenant, voilà, à comment aborder ce match, essayer de l'aborder de la plus belle des manières. Ils ont travaillé depuis une semaine avec leur nouveau coach. Je pense que même si nous, on n'a pas des infos, comme tout à l'heure on disait, on ne sait pas qui est le capitaine, on ne sait pas comment on va jouer, etc. Parce que je pense qu'il ne veut pas, pour l'instant, ça sorte dans la presse, mais je peux vous assurer que je pense qu'en interne, ils savent qui est le capitaine, ils savent comment ils vont aborder ce match contre Nantes, et le 11 de départ est presque bouclé. Quoi. Donc voilà, je pense que le match de samedi va être de bon augure, en tout cas je l'espère. Gino, t'attends quoi toi?
Une bouffée d'oxygène, ce serait bien dans la tête des joueurs s'ils voyaient ce match. Comme l'a dit Hervé, ils ont fait beaucoup de préparation. La compétition, c'est très loin, c'est il y a vraiment quelques mois. Donc, donner le maximum, essayer de faire une performance vraiment avec de l'envie, même si on loupe des choses. Moi, j'attends beaucoup d'intention. Il va y avoir du public, et ça, c'est quand même génial. Hein. On n'a pas été au stade depuis de longs mois. Donc, ce qu'on attend, c'est pas que les joueurs y réussissent tout. Hein. C'est pas ce qu'on demande. On connaît les conditions, mais au moins qu'ils se donnent à fond et que par rapport à ça, ça puisse donner, comme je te l'ai dit, une bouffée d'oxygène pour eux et pour le club. Ce serait pas mal dans ces circonstances. Ouais, du plaisir. Prendre du plaisir, Joe. Ça permet tellement bateau de dire ça, mais. Non, mais vu ce qu'on a vécu ces 5 derniers mois entre le virus et surtout tout ce qui s'est passé au Girondin en plus, etc. Moi, je veux juste revoir du foot, en fait. Du foot avec le scapulaire, en fait, et tout. Et, Gassé, malheureusement, il va lui falloir du temps. On a déjà perdu beaucoup de temps. En plus, il lui faut du temps derrière, donc on ne peut pas attendre grand-chose. S'il gagne, etc., tant mieux. Mais tu sais très bien que tu ne pourras pas en vouloir à Gassé s'il perd ce match-là. C'est comme ça, et aux joueurs même. Donc, j'ai juste envie de revoir du foot, de revoir des mecs qui se font plaisir, qui jouent, qui je pense qu'un footballeur professionnel, ça fait 5 mois qu'il n'a pas joué un match officiel. S'il n'a pas envie là, parce que je veux dire, à leur place, moi je serais mort de faim, j'aurais absolument envie de jouer. C'est peut-être pour ça qu'Otavio et Mendy sont un petit peu pris le bec sur le terrain et tout. Donc voilà, je pense qu'il y aura deux équipes qui auront envie, qui auront juste envie de jouer au foot et de se faire plaisir et de faire plaisir. Quoi, voilà. Allez, on accueille Ludo au téléphone, supporter des Girondins. Salut Ludo, bienvenue à toi. Bonsoir à vous. Comment ça va, Ludo? Ça va, je suis content de retrouver le championnat qui redémarre. Et comme il disait Jonathan, les joueurs, ils ont faim. C'est un métier qu'ils n'ont pas pratiqué pendant 5 mois. Et comme beaucoup de gens, justement, je pense que c'est de pratiquer ce qu'on aime, donc c'est important. Tu nous appelles d'où? T'es où, toi? T'es à Bordeaux? Le Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan. Bon, super. Bon, et du coup, t'attends quoi, toi, en tant que supporter, là? De ce match. D'abord, j'attends Nantes, on va dire, une première démonstration de cette semaine d'entraînement. Justement, cette première lutte contre le fait qu'ils soient perturbés, les joueurs. Et l'intégration de Plasil, justement, sert à ça. C'est l'un des joueurs qui avait le plus compris le schéma de Souza lorsqu'il était joueur. Et c'est justement pour ça qu'il va faire la transition pour le mettre à pratiquer d'autres schémas. Donc, comme j'attends du collectif, j'ai envie de se battre les uns pour les autres, de jouer ensemble, de repratiquer le football collectivement et plus tout seul dans son coin, dans sa résultat. Toi, tu as vécu comment le départ de Souza? Tu faisais partie de ceux qui étaient plutôt contents qu'ils partent ou pas? Disons que c'est ce jeu, ce bras de fer qui m'a perturbé. J'estime que Souza, il a assez démontré son mécontentement durant 2 ans. Ouais. Il a déjà fait parler ses envies. Oui. Je pense que s'il est vraiment au service du club, s'il est vraiment respectueux des supporters, il aurait dû arrêter ce bras de fer. D'accord. C'est-à-dire, je pars, je paye ma clause, ou une partie de ma clause, et je pars librement, on vient donner un chèque au club, comme que le contrat prévoyait, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est hallucinant, hein, cet argent. Hein. Je ne sais pas si de ton époque, Hervé, il y avait autant d'argent qui circulait. Alors, peut-être qu'on en parle plus aujourd'hui. C'était moins médiatisé avant. On en parle beaucoup plus aujourd'hui. Il y avait de l'argent avant. Parce que, avec les grands joueurs qu'il y avait à Bordeaux, il y avait des gros salaires, etc. Mais bon, on en parlait oui et non, parce que sur le terrain, après, ça suivait. Donc, aujourd'hui... Aujourd'hui, on tape sur l'argent, mais parce que sur le terrain, ça suit moins qu'à l'époque. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ils sont trop payés, ici et là. Donc, c'est entre guillemets compréhensible et pas compréhensible. Donc voilà. Mais bon, à l'époque aussi, il y avait des gros salaires, des gros transferts. Mais plus ça va, et bon, après, aujourd'hui, ça devient pour moi démesuré. Avoir des transferts à 150, 200 millions d'euros, enfin pour moi, c'est complètement fou. Mais bon, après, c'est un sport tellement médiatisé qui rapporte de l'argent
aux sponsors, etc. Machin, c'est un business, donc pour moi, ça m'a dépassé tout ça. Tiens, Gino, on n'en a pas parlé de la réaction de Frédéric Longuépée. Je vois que sur le chat, ça revient souvent. Ils nous disent, qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Frédéric Longuépée en conférence de presse aujourd'hui, qui refuse de s'adresser aux journalistes de RMC. Je refais la scène pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alors je la refais, je vais pas la mimer. Mais donc il y a le journaliste de RMC qui a posé une question, comme ça se fait en conférence de presse. Frédéric Longuépée lui a dit mais pour quel média travaillez-vous? Il a dit RMC. Il a dit je ne vous réponds pas. Voilà, et il a refusé de répondre. Et du coup, c'est Alain Roche qui a répondu à la question. Le journaliste s'est tourné vers Alain Roche, directeur sportif, pour qu'il réponde à la question. Et Alain Roche, avant de répondre, a demandé au président s'il avait le droit de répondre à ce journaliste. Gino, et après Joe là-dessus. Lamentable. Non. Du Frédéric Longuépée dans le texte, j'ai envie de te dire. Parce qu'il sait qu'il est en tort, à mon avis, par rapport à ce qui a été sorti de la part d'RMC. Et RMC, je pense qu'ils font leur boulot de journalistes. Donc, je vois pas dans quelles conditions on pourrait se permettre de ne pas répondre à RMC, surtout quand on connaît la capacité à ne pas communiquer de Frédéric Longuépée depuis des mois et des mois. Monsieur Longuépée choisit ses interlocuteurs, on l'a bien vu, quand il veut répondre, mais il n'accepte pas le débat. Donc, une fois de plus, pour moi, il se défile totalement, mais il est dans la ligne directrice de ce qu'il fait depuis des mois. Et on voit bien, tu l'as bien dit, quand Roche lui demande « Est-ce que j'ai l'autorisation de parler à sa place ?» On sent quand même un certain malaise et une certaine tension de la part de Longuépée. Donc, pour moi, ça dénote quand même du fait que il a quand même une certaine pression. Et à mon avis, ça peut devenir compliqué au fur et à mesure que la saison va avancer. Tiens, Drive, sur le chat, il dit « Longuépée a raison ». De ne pas répondre à RMC, qui est un média qui fait du Bordeaux bashing. C'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai. C'est pas du Bordeaux bashing. Voilà. Vas-y, je te laisse parler, Joe. Non, c'était pas du Bordeaux bashing, c'était du on va dire du King Street bashing. Plus qu'autre chose, justement, ça les faisait chier. Tu voyais clairement que ce club-là était mal géré, était en train de partir à la sale agonie complète. Après, moi, personnellement, ça m'a pas étonné. On sait très bien qu'il choisit ses sujets, ses interlocuteurs. On a encore vu les Ultras, qui sont allés les voir encore aujourd'hui, c'est Alain Roche et Jean-Luc Gasset. Alors Massia et Paulo Sousa ne l'auraient pas fait ça derrière. Je ne sais pas s'ils avaient l'autorisation ou pas, mais au moins tu as un changement à ce niveau-là, c'est parce que tu as quand même des interlocuteurs maintenant pour les Ultras. Mais Longuépée, ça me surprend pas. Voilà, le mec, il a encore. Je ne sais même pas pourquoi il est venu faire l'interview en fait. Après, il a répondu aux autres journalistes. Oui, voilà, mais il voulait montrer encore justement que c'est moi le plus fort, c'est ceci, c'est cela. RMC, ils ont eu raison, même si à un moment donné, je trouvais qu'effectivement, ils ont quand même fait une semaine entière sur ça, je trouvais que c'était un peu trop. Mais RMC, ils ont divulgué des choses, effectivement, qu'il fallait, parce que ça montrait tout ce qu'il y avait de mauvais aux Girondins, et dans le foot aussi, ils ont quand même pris Bordeaux comme exemple, par rapport au foot aussi actuel, avec les agents, etc., de joueurs, et les directions qui étaient là, et les directeurs sportifs qui étaient là surtout pour faire du business, plus qu'autre chose. Voilà. C'est assez étonnant quand même qu'après les révélations d'RMC, maintenant qu'on est un peu plus dans le temps, Massia et Cissé ne soient plus là quand même. Bizarre, hein? C'est assez bizarre. C'est bizarre. Oui, ils étaient mis en cause sur les transferts. D'ailleurs, petite aparté, les deux transferts sur lesquels ils étaient mis en cause, c'est Naoufel Khassef pour Eduardo Massia, donc ça c'est en justice, il y a une plainte. Le deuxième transfert dans lequel était mis en cause Souleymane Cissé, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais il faut savoir que Thibaut Clidje, qui était le joueur togolais qui avait été transféré, et à son contrat qui s'est terminé au 30 juin. Voilà. Donc là, il s'entraîne. Il est plus sous contrat. Voilà. Donc ça aussi, c'est assez étonnant. Est-ce qu'il y avait une option d'achat à lever? En tout cas, elle n'a pas été levée. Et on a l'impression que les deux joueurs sont toujours à Bordeaux. Hein, et ils sont en attente, quoi. On ne sait pas. C'est le flou le plus total autour de ces deux joueurs. Hervé, est-ce que tu veux réagir là-dessus sur l'attitude du président, les relations avec la presse? Après, moi, j'ai une question. Est-ce que Jean-Michel Aulas se permet de ne pas répondre aux questions? Non. Lui, c'est un président qui, ça fait 30 ans qu'il est à la tête de l'Olympique Lyonnais. Donc, beaucoup de personnes, bon, il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Mais c'est un président qui porte ses... ses couronnes. Couronnes.
Et puis voilà, quand que ça soit RMC ou pas RMC, on l'a vu plusieurs fois dans Team Duga, ou quand il avait un problème avec Duga, et bien voilà, il montait au créneau, il répondait aux questions, et il protégeait ses joueurs. C'est un président de club, voilà, de club professionnel de Ligue 1, qui se cache pas derrière des. Alors, s'il répond pas aux questions, on dit qu'il y a toujours la vérité qui blesse. Donc s'il répond pas à certaines questions, c'est que à un moment donné, il y a eu des parts de vérité et qui se cache, dit non, je ne vais pas répondre. Mais bon, après, Alain, j'ai eu la chance de le côtoyer à Bordeaux quand j'ai débuté. Demander au président s'il peut répondre. À un moment donné. Oui, demander l'autre. Non, il demande l'autorisation s'il a le droit de répondre à RMC, c'est son président. Après, voilà. Bon. Oui. Après, il a travaillé avec à Paris, donc peut-être qu'il sait très bien comment le personnage, et du coup, voilà, il s'est dit, voilà, je te demande autorisation pour justement répondre, parce qu'on ne va pas laisser un blanc comme ça. Il a bien fait, après Alain Roche, de prendre la parole derrière, tu vois, ça, tu ne peux pas le reprocher non plus. Mais c'est vrai que la question à longue épée, tu veux dire, enfin, longue épée, c'est qui, en fait, pour Bordeaux? Enfin, pour nous, c'est plus, enfin, en tant que supporter, c'est un mec à dégager, c'est plus rien, il n'a jamais représenté ce club, il sera jamais représentant du club pour nous, donc voilà. Ludo? T'es avec nous, toujours au téléphone, un avis oui, là-dessus. Oui, je suis avec vous. Tu veux t'exprimer là-dessus et après on te libère. Il a fait de la continuité, il est resté dans sa logique. Mais il a autorisé Ross, qui est un consultant, un ancien consultant spécialiste des médias, et donc quelque part qui justement a su calmer un peu le jeu. Et je pense que clairement, notre directeur de la communication actuelle, intérimaire, qui est Frédéric Langueppé, va laisser au fur et à mesure le directeur sportif s'exprimer sur de plus en plus de questions et justement essayer de taire un peu ces débats un peu parasportifs, quoi. Ok. Bon, bah écoute, merci Ludo, à bientôt. Salut, merci de nous écouter. Merci à vous. Salut, au revoir. Ciao. Ouais, bon, c'est vrai qu'il pourrait aller à l'affrontement, hein, comme dit Hervé. Hein. C'est vrai qu'il peut appeler RMC et dire moi, je vais m'expliquer avec vous et je vais argumenter. Voilà, comme le fait Jean-Michel Aulas. Il n'en a pas les moyens, Nicolas, je pense. Ouais. Oui. Bon. Il ne maîtrise pas le sujet, tu le vois. De toute façon, il ne maîtrise pas le contexte du football. De toute façon, ça ne sert à rien. Il sait très bien qu'il va se planter. Il n'est pas bête, entre guillemets, à ce niveau-là. Quoi, tu vois, On est un peu, sorti de notre match de Nantes. Bon, en même temps, on n'a pas grand-chose à dire sur ce match. Hein. On n'a pas vu de match ce week-end. On sait qu'ils ont énormément d'absents. Ludovic Blas, alors j'avais fait la liste, mais je ne l'ai plus devant moi. Il y a 7 à 8 absents du côté nantais. Ils sont décimés. Seulement 3 matchs de prépa. Nous, on en a fait 5. Jean-Louis Gasset a dit que Bordeaux allait faire un match de prépa, une opposition mercredi. Mais bon, comment une opposition peut remplacer un match amical? C'est impossible. Une opposition contre peut-être la réserve? Mais peut-être, je sais pas. On voit que... Ouais, je sais pas. Il l'a pas précisé. Ils en ont fait une samedi à 17h à l'heure du match pour se mettre dans les conditions. Qu'est-ce que vous voulez ajouter sur ce match? On peut... Non, moi je verrais bien, comme je disais, quand j'ai parlé de sa dernière compo à Saint-Etienne, je le vois bien refaire la même composition que ce qu'il avait fait à Saint-Etienne sur son dernier match, parce que je trouve que l'effectif paraît adapté à cette composition-là. Le 4-2-3-1 avec 4... Depréville un peu en 9,5. Alors, on parlait d'un 4-4-2 en losange. J'aimerais qu'on parte sur le 4-4-2 en losange avec la défense. Si on met la défense, je vois Gino, il fait la grimace aussi, Gino et Joe. Non, mais alors, je sais pas, sur la défense, on peut mettre donc dans les buts, on a de toute façon Costil. À droite, tu mets Kouateng, à gauche, tu mets Sabali, et au centre, tu mets Bayes et Koscielny. Est-ce que ça vous convient, ça, les gars? Moi, je suis content. On va faire avec. Qu'est-ce que tu dis, Hervé? Moi, je suis content pour Paul Bayes, parce que voilà, c'est quelqu'un que je connais. Et qui a fait les beaux jours de Nice, voilà, parce que beaucoup ont la mémoire courte, mais il faut savoir que la saison qu'il avait effectuée il y a 3 ou 4 ans à Nice, c'était pas rien. Et je pense qu'à Bordeaux, il a pas eu réellement sa chance. Alors, il a eu à un moment donné, ça s'est pas très bien passé, mais bon, tout le monde a droit à l'erreur. Et depuis le début des matchs amicaux, apparemment, ça se passe plutôt bien le concernant. Donc j'espère le voir débuter samedi contre Nantes.
Ouais, Paul Bay, c'est vrai qu'il fait son retour. Je pense qu'il débutera. Moi, j'avais vu tous les matchs de préparation. Il est monté en, comment dire, en puissance au fil des matchs. Les gars. On lui souhaite, hein. Moi, personnellement, je lui souhaite. Je pense que c'est un mec qui aime le club, qui n'a pas eu de bon début, comme l'a dit Hervé, quand il est revenu au Girondins. Ça s'est mal passé de suite, donc il a été très vite écarté. Moi, c'est le manque de rythme de compétition depuis très longtemps. Est-ce qu'il va être capable de se mettre au niveau, notamment défensivement? Est-ce qu'il va tenir la route? J'aimerais, hein, franchement, ça me ferait plaisir pour lui, parce que je pense que c'est un mec qui a une bonne mentalité, qui aime le club en plus. Donc voilà, mais je reste encore avec des questions, parce que voilà, il n'a pas joué depuis très longtemps, Paul Bay. Et le niveau, quand même, ben, voilà, c'est pas si simple de revenir comme ça. Donc j'espère. Il fait 5 matchs de prépa quand même. Mais il y a beaucoup de joueurs, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Dis non, en fait, si on regarde bien, ça fait 6 mois, tout le monde a arrêté, en fait. Ouais, mais, donc, ouais, mais Paul Bay, il y a des années qui passent aussi. Faut pas l'oublier. Et on est dans une défense Koscielny Bay qui n'est pas la plus rapide du monde, on est d'accord. Oui. Non, mais Marc Planus. Il allait vraiment pas vite, Marc. Hein. Bon, c'était un fou. Mais par contre, dans l'anticipation, dans la vie, d'accord. Marc était très fort. Mais ah oui, très très fort. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande à un défenseur? C'est de bien défendre, d'être présent quand le mec il est dos au but, parce qu'il se retourne, etc. Maintenant, est-ce que Paul Bay a les qualités de Marc? Ça, c'est notre débat. Ouais, mais bon, maintenant, moi, j'ai entièrement confiance en Paul Bay. Bon. Après, c'est un peu aussi, t'as Meschier qui est complètement hors forme, je trouve. T'as Pablo qui est blessé, t'as Jovanovic, ce qu'on a vu, c'était pas non plus hyper rassurant. Boateng, il va jouer à droite. Donc, ouais. À un moment donné, si tu mets pas Bayes là, le pauvre, il aura jamais sa chance, tu vois. Donc, c'est le non, moment. Mais et ça montre aussi que défensivement, quand même, on n'est pas non plus au top niveau, quoi. Ouais, mais bon, on a quand même des joueurs, clair. Gino. C'est ce que dit. En fait, t'as Jovanovic, Pablo et Meschier qui sont. Alors, Pablo, il est forfait. Jovanovic et Meschier, ils étaient blessés. Donc, et qui sont pas au top de leur forme. Donc, oui. Si tu fais un peu le bilan de ton effectif, t'as des joueurs peut-être en quantité, mais t'en as qui sont blessés ou qui reviennent de blessure. T'en as qui n'ont pas joué depuis longtemps. T'en as qui jouent à un poste auquel on demande confirmation. C'est le cas de Boateng, par exemple. Moi, je n'ai pas de certitude avec Boateng, offensivement, par exemple. Je ne trouve pas que c'est un mauvais joueur, mais je n'ai pas de certitude. Benito, il a fait une saison catastrophique l'an dernier. Ben oui, mais non, mais si on fait le bilan, donc tu es obligé de remettre Sabali qui sort de saison moyenne. À gauche, tu le mets à gauche. Voilà. Donc, tu as un effectif, si tu le regardes à l'instant T, défensivement. Mais qui n'est pas au top de sa forme et qui n'est pas exceptionnel. Ouais, mais j'espère me tromper. Hein. Oui, mais je trouve quand même, je te trouve un peu dur parce que malgré toutes les absences qu'il y a, tu as quand même des joueurs, tu as Koscielny et Bayes. Ah, mais ce n'est pas des rigolos, ils ont une carrière derrière eux, je suis d'accord avec toi, Nico. Mais moi, je demande tu vois, qu'ils soient en forme pour ces matchs-là, tu vois. Je ne les juge pas sur leur passé. Mais ce que tu disais, Joe, sur le fait qu'ils sont tous sur le pied d'égalité parce que plus personne n'a joué depuis 5 mois, ça peut aider. Oui, fait, tu joues. Enfin, moi, sa préparation, le premier, deuxième match contre Angers, je crois que c'est Toulouse, le deuxième match, je crois qu'on fait. Bon, Toulouse, on l'a pas vu. Non, c'est Saint-Etienne, le deuxième match, pardon. Je trouvais que c'était un peu compliqué pour lui. Je trouve qu'il est monté en puissance quand même, Bayes. On sait que c'est un joueur qui a eu la poisse, clairement, dans sa carrière, entre les blessures. Il va à Caen, le club descend, etc. Tu sens qu'il a jamais eu beaucoup de chance. Et dès le mec arrive à Bordeaux, t'as Gourvenet qui se barre, il prend un rouge, et après, t'as Koundé qui arrive derrière, tu vois. Enfin, tu sens qu'il a jamais eu sa chance vraiment. Là, il a vraiment, pour moi, parce que tu sens qu'au niveau de la concurrence, il est devant avec Koscielny. Donc, c'est le moment pour lui. Maintenant, effectivement, tu as le petit Mitchoub qui est là, qui va peut-être un petit peu, peut-être… Alors, il est très grand. Hein. Et le petit, oui, par l'âge, petit, mais c'était, très grand. C'était un jeu de mots, justement. Oui. Parce qu'il fait pas loin de 2 mètres, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Énorme, le mec. Oui. Et bien, mais là, s'il joue pas là, en plus avec Koscielny à côté, qui est un mec hyper rassurant et tout pour lui, et Bayes, il a le métier, il a 34 ans, 34 ans maintenant, je crois. Donc, un peu moins, je crois. Et je sais plus, mais moi je pense pour moi, face à Nantes, ça peut le faire grandement. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui aimeraient avoir cette défense là. J'aligne les trois de devant, toujours dans mon 4-4-2 en losange. Otavio à la pointe du losange basse, à droite Pardo, à gauche Zerkan. Et à gauche Zerkan, il a joué à gauche à Reims. Et sur la pointe haute du losange, c'est là où messieurs. Je vous pose la question. Qui c'est qu'on peut mettre sur la pointe haute du Logange et avec les deux joueurs de pointe? J'ai bien une solution, c'est Oudin. Ouais. Je vais dire. Oudin,
Si tu avais Adli, c'est un poste qui est totalement pour lui. Mais comme Adli, physiquement, ben, il est complètement il est out. Donc voilà, mais tu ne mettras pas un des prévus. De prévu, tu lui mets devant avec avec un sort de pointe. Ou d'un. Et ben, le problème, c'est que tu as Wang qui saute. T'en penses quoi de Wang, toi, Hervé, ce joueur? Alors, je sais pas si tu as vu beaucoup jouer les Girondins ces dernières. Je vais être très honnête, je n'ai pas vu de match. Bon, je... voilà, bon. Et Paul Bass, il a 32 ans. Ouais. 32 ans, mais voilà, il a encore le temps. Il est jeune encore. Non, mais bon, après devant, bon, déjà, offensivement, on s'est rassuré un peu sur le dernier match contre Reims, je crois. On a gagné 4-0, je crois. Donc, déjà, c'est plutôt une bonne chose sur le plan offensif. J'ai vu les buts, mais ils ont plutôt été bien amenés et ça jouait collectif. Donc, moi, je suis plutôt confiant sur le match de Nantes. Alors, on parlait des méformes de chacun, des absents, des qui pourraient jouer, etc. Bon, on est au même niveau, entre guillemets, que le FC Nantes, quoi, au niveau des blessés, au niveau des... Donc, mais bon, je pense que pour ce premier match de championnat, on a notre carte à jouer, on est à la maison, il y aura notre public, il y aura les vacanciers, donc tout est OK pour pouvoir l'emporter. Gino, sur la compo, là, sur le losange et la pointe et les deux attaquants, tu mettrais qui? Est-ce que ça te séduit, ce type de compo, ou pas? Oui, ça peut être intéressant. Après, moi, je voyais bien De Préville quand même dans un premier temps derrière les attaquants pour être un peu détonateur et un peu bouger. Moi, je voyais plutôt comme ça. Et le duo, je voyais un duo plutôt Maja-Wang avec des profils un peu différents. Et Wang, peut-être le voir un peu plus dans l'axe. Je trouve ça un peu... Ça pouvait être intéressant sur la composition d'équipe. Après, t'as même dit... Le poste de Zerkane. Ah. Zerkane, tu vois, moi, tu le vois débuter Nico. Pourquoi pas, hein. Je me rappelle aussi qu'il y a Basic qui est là. Donc, à voir que... On peut avoir Zerkane qui peut faire, par exemple, une demi-heure à la fin. Ça peut être une solution aussi, ou l'inverse. Alors, pourquoi je dis Zerkane? Parce que alors j'ai vu les matchs de prépa, et j'ai vu les matchs de prépa de Basic qui n'étaient pas du tout. Hein. Basic, il n'est pas rentré dans sa préparation, il n'a pas mis d'intensité. D'ailleurs, il ne jouait pas sur les derniers matchs, il n'a pas été convoqué. Et Zerkane a mis de l'intensité au fil des matchs de prépa pour montrer qu'il pouvait prétendre à une place de titulaire. Et alors, après, est-ce qu'il n'a pas tout donné dans les matchs de prépa? Je pense, je sais pas. Non, mais ça me rappelle l'an passé où tu voyais qu'en préparation, même en début de championnat, bah, j'ai l'impression que la préparation, ça lui fait tellement mal à ce mec. Il a vraiment du mal à s'en remettre. C'est pas un mec qui est hyper costaud physiquement non plus. Il est quand même un peu, il fait un peu allumette, je trouve, sur un terrain aussi. J'ai l'impression que la prépa, ça lui fait beaucoup, beaucoup de mal. J'ai l'impression qu'il lui faut quelques semaines pour se remettre un petit peu de tout ça aussi. Je pense que Basic, il a un peu lâché sur la prépa. Peut-être que ouais, Hervé, oui. Moi, Basic, je l'ai vu jouer 2-3 fois. J'aimais beaucoup ce joueur, mais effectivement, je suis assez déçu. Je suis assez déçu parce que je pense que il a de bonnes qualités techniques, de passes, de frappe. Et je sais pas ce qui se passe avec ce garçon, mais je pense que c'est du gâchis. Parce que je pense qu'il a des qualités, mais qu'il n'arrive pas à les exprimer ici à Bordeaux. Et peut-être qu'ailleurs, il les exprimerait peut-être un peu plus. Mais l'ayant vu sur certaines entrées l'année dernière, etc., pour moi, j'ai trouvé qu'il avait quand même certaines qualités, mais qu'il les montre pas assez. Alors, tu es attaquant. Est-ce que tu as déjà joué avec Jimmy Briand, comme Jimmy Briand joue depuis 20 ans, au moins? Non, je n'ai pas eu la chance de jouer avec lui. Je jouais contre lui. Mais non, je n'ai jamais eu la chance de jouer avec lui. Bon, lui, il a fait une très belle carrière, attention. Oui, il a joué à un plus haut niveau auquel tu as joué. C'est sûr, comment tu juges ses prestations à Bordeaux? Il est beaucoup critiqué par sa lenteur. Il la compense par beaucoup de tactiques, beaucoup de placements, beaucoup de travail collectif. Ouais, bon, maintenant, il a 35... ou 6, oui. 5 ou 6, ouais. L'année dernière, il a marqué quoi? Il a marqué ses 7-8 buts, non, je crois, à peu près. Hein, un truc comme il ça, a fini meilleur buteur avec De Préville et Maja. Je crois qu'ils sont tous à 8 buts chacun, je crois. Hein, et 8 buts, maintenant, que demander à un mec qui a 35-36 balais? Mettre 8 buts, déjà, bon, c'est pas trop mal, même si, bon, c'est vrai qu'on aspirerait à avoir un attaquant de pointe à la hauteur qu'on a eu, comme des Marwan Chamakh ou des Lance Lassande, mais bon, il n'y en a pas aux quatre coins de rue. Mais bon, voilà, Jimmy Briand, dos au but, mais quand il est dos au but, on voit qu'il est efficace dans tout ce qui est remise, point d'appui. Ça permet aux excentrés de prendre la profondeur, de l'autre attaquant de prendre aussi la profondeur.
Donc je pense qu'il est quand même important. Et puis bon, il est pas trop maladroit devant le but. Il met souvent les défenseurs en danger et le gardien. Donc voilà. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir finir les matchs? Je suis pas certain parce qu'il y a l'âge qui rentre en jeu. Et voilà. Maintenant, moi je mise beaucoup cette année sur Nico Depréville parce que bon, l'année dernière il a fait quelques bons matchs. Il a fait pour moi une saison plutôt correcte. Et j'attends plus de lui cette année. J'espère qu'il va mettre un peu plus de buts et qu'il va mener Bordeaux vers le haut. Un changement cette année, messieurs, 5 remplacements. Ça c'est une donnée en termes de coaching. Je vois Gino, il se frotte la tête. Ah, je trouve ça lamentable aussi, au niveau du foot. Pour moi, on change totalement les règles du football. C'est un contexte après Gino. Mais c'est pas que, parce que tu as raison, Joe. Dans un premier temps, on pourrait se dire que c'était lié au Covid et autres. Mais on voit bien qu'on aimerait bien, sur certains clubs et certaines fédérations, le laisser un peu plus longtemps. Et je pense que tous ces aspects, comme la vidéo, hein, maintenant la vidéo, ben, c'est fini. Hein. Elle existera pour toujours dans le foot. Moi, je suis pas pour. Et je pense que l'aspect fatigue, notamment dans un match, il compte. Et quand tu as 5 remplacements au lieu de 3, c'est pas la même chose. Tu peux changer totalement la physionomie de ton équipe. Hein. 5 joueurs, c'est énorme. Hein. Hervé, t'en penses quoi? 20 joueurs dans le groupe aussi. Hein. Ah, 20 joueurs dans le groupe? Ouais. Ah, mais je l'aurais été un peu plus souvent. Non, mais après, c'est des avis partagés. C'est vrai que pour le football, quand il y a des mecs qui sont un peu plus fatigués, mais peut-être que l'autre équipe peut gagner. Maintenant, ça va permettre aussi à des joueurs d'avoir un peu plus de temps de jeu à rentrer, parce que bon, avant il y avait 3 changements, donc il y en avait 4 autres mais qui rentraient jamais en cours de jeu, donc qui allaient jouer soit avec la CFA ou qui faisaient un entraînement après le match, donc voilà, pour ça va être bien. Mais bon, c'est vrai que après, pour le jeu, est-ce que c'est par rapport au Covid, est-ce que il y a plein de questions qui se posent, est-ce qu'ils vont le garder, est-ce que c'est un test sur une année, est-ce que ça va être maintenant tout le temps, voilà, toutes ces questions sont à poser, mais on le saura ça plus tard. Bon, messieurs, on a tout dit sur ce match de Nantes, hein. Au niveau de la compo, ben on va attendre, hein. On va parler, il reste 8 minutes d'émission, je vous remercie d'être aussi nombreux, plus de 220 en direct, merci beaucoup, allez-y, envoyez-moi du like sur YouTube si vous êtes sur YouTube, et partagez cette vidéo. Bonsoir Thiams qui vient d'arriver, salut Nico, salut JP, salut Bob, salut à vous. Mercato, oui, parce que le Mercato est ouvert depuis samedi, messieurs, et là aussi c'est complètement fou, il va durer jusqu'au 5 octobre, le Mercato. Voilà, donc on a un peu plus d'un mois et demi de mercato. Alain Roche, ils ont abordé la question en conf de presse. Ils ont blagué dessus, ils ont dit que l'enveloppe était très fine. A priori, il n'y aura pas de renfort, hein, pour le mercato des Girondins, sauf s'il y a des départs, des gros départs. Ouais. Et en prêt plutôt. S'il y a des renforts, apparemment, ce serait plutôt des prêts. De ce qu'on entend, et Gasset a dit même des clubs amis qui pourraient peut-être aider les Girondins, je reprends ces termes, ça m'a paru un peu amusant, dirons-nous, mais on voit bien qu'au niveau budget, c'est la bérésina. Ouais, je ne sais pas si vous voulez réagir. Donc tant qu'il n'y a pas de départ majeur, bon, on sait que Camano a été transféré d'ailleurs, officiel aujourd'hui, hein, au Lokomotiv Moscou. Il a signé un contrat de longue durée, donc on parle de 4 voire 5 ans, hein. On n'a pas la durée exacte. Ça rapporte 5 millions d'euros dans les caisses de King Street. Voilà. Tiens, un mot sur Camano. Est-ce que ton avis sur François Camano, qui est arrivé de Bastia en 2016 et qui part après 4 saisons, Hervé? C'est dommage. C'est dommage pour Bordeaux, parce que je pense qu'il a porté sa fougue. Voilà, il était efficace. Alors, pas tous les matchs, certes, mais il n'était pas non plus... entre guillemets, dégueulasse par rapport à d'autres peut-être. Maintenant, voilà, encore une gestion. Est-ce que c'est bien de les laisser partir? Est-ce qu'ils avaient le choix? Est-ce qu'ils n'avaient pas le choix? Ça rapporte, oui, 5 millions, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont renflouer les caisses parce qu'il y a un peu de déficit? Est-ce qu'ils vont le remplacer? Maintenant, il y a un directeur sportif qui vient d'arriver, en l'occurrence Alain Roche,
qui va, je pense, avoir son mot à dire, parce que bon, c'est quelqu'un qui a quand même un sacré vécu du haut niveau. Donc voilà, je pense qu'il va aussi épauler Jean-Louis Gasset pour lui donner peut-être quelques noms, peut-être qu'il a des idées. De toute façon, il va falloir certainement attendre les 3-4 premiers matchs de championnat pour peut-être avoir voir arriver du renfort. Donc peut-être que Caleroche va être déterminant pour la suite. Joe? Mais après, c'est peut-être la première fois où il y a peut-être aussi autant de joueurs libres. On oublie un peu tout ça, mais il y a beaucoup de clubs où les contrats n'ont pas été renouvelés. Il y a peut-être des possibilités à faire. Maintenant, tu sais très bien qu'au départ, il faut dégraisser largement l'effectif et surtout des salaires qui sont très, très élevés, qui coûtent très cher au club. Kalou, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est pareil. Kamano, ben, malheureusement, c'est. Je trouve ça dommage parce que je trouvais qu'il apportait pas mal quand même à cette équipe quand il jouait vraiment, qui était vraiment fort. Il marquait quand même beaucoup, il faisait beaucoup de choses, il faisait des gestes qui étaient assez régalades sur le terrain. Finir comme ça, je trouve ça dommage. Mais il n'entrait pas dans les plans de Paulo Souza. Est-ce qu'il serait entré dans les plans de Jean-Louis Gasset? Je suis pas certain non plus. Voilà. Gino, tu vas le regretter, François Camano. Non, non, bah c'est un gros gâchis, François Camano. Parce que c'est un joueur qui a du talent. On l'a vu par bribes. On se rappelle quand il évoluait, notamment avec Malcolm, hein, sur les ailes, où c'était très intéressant. Et malheureusement, je pense que c'est un joueur qui ne s'est pas fait mal dans le bon sens du terme et qui n'a pas été assez performant. Il ne s'est pas donné les moyens pour aller plus haut. Donc je trouve ça triste, que ce soit pour le club et pour lui. Et je pense qu'on aurait dû le vendre déjà, malheureusement, l'hiver dernier à Monaco, et ça aurait été beaucoup mieux, je pense. Mais bon, voilà. Dommage. C'est vraiment dommage, encore une fois, avec ce type de joueur, parce que autant il avait fait de belles choses en début de carrière aux Girondins, autant quand on fait son bilan sur la globalité, ben, c'est pas ça. Non, il s'est pas fait mal. Le talent, ça suffit pas. Donc, Exactement. dans le foot, on le voit, le foot de haut niveau. Alors, nous, on n'est que des observateurs. Toi, Hervé, tu as joué. Tu as fait une carrière professionnelle. C'est quoi qui fait la différence? Pour un joueur, entre un joueur pour rester au haut niveau, passer les étapes. Ben, l'envie, le mental. Voilà, bon, il y avait un exemple à Bordeaux qui était Vicente Lizarazu. Quand il était en équipe de jeunes, il y avait un entraîneur qui lui disait que lui, il ne ferait jamais carrière. Sauf que voilà, il avait un mental d'acier et il a prouvé par A plus B qu'il pouvait arriver au niveau. Et puis voilà, Lizarazu, il a fait la carrière qu'il a faite, et une très très belle carrière. Donc voilà, il y a que le travail et le mental qui peut primer pour y arriver. Ouais, il y a peut-être aussi un peu de chance et pareil, tomber au bon moment, au bon club aussi. Il y a pas mal de, je pense qu'il y a pas mal de facteurs aussi autres que le travail, malheureusement. Si tous les joueurs qui travaillaient bien étaient des grands joueurs, je pense ça serait une bonne chose pour le foot, mais ça me paraît un peu. Mais Jean, tu parles de chance. Moi, j'ai eu la chance de connaître Sidney Govou à Évian. Quand il a fait le doublé avec Lyon contre le Bayern, c'est ça qui a déclenché sa carrière, quoi. Donc, il me dit, voilà, il y avait devant, il y avait Caviglia, il y avait, je crois, Flo Mori, Personne. il y avait Anderson. Et voilà, c'était le petit jeune qui rentrait dans le groupe, qui jouait aussi. Et jusqu'à ce match contre le Bayern, où il met un doublé, il met un but de dingue. Et derrière, voilà, ça, il me dit, c'est de par ces deux buts que ma carrière s'est Ouais. lancée, quoi. Donc oui, il y a le facteur chance, il y a la réussite, il y a plein de trucs. Moi, à Bordeaux, j'ai pas eu trop la chance. J'ai fait un match titulaire contre Rennes. Malheureusement, en début de seconde mi-temps, je me présente face à face avec Isaacson, et manque de chance, je loupe mon face-à-face à cause de ce terrain de Lescure qui était pourri, et du coup, j'ai poussé un peu trop loin mon ballon, et il me percute, et il m'ouvre le tibia, et je sors sur blessure, et je vais me faire recoudre à Pellegrin. Donc, si j'avais marqué là, et qu'on avait gagné à zéro, qu'est-ce qui se serait passé par la suite? Voilà, j'ai un peu les glandes. Aujourd'hui, il se passe ça avec des joueurs, mais ils ont d'autres chances, ils rejouent. Moi, à l'époque, j'ai eu ma chance, je ne l'ai pas saisie, et derrière, Tiens, donc,
Non. Il y a JP sur le chat, il dit Hervé, reviens en neuf, s'il te plaît, tu seras toujours plus rapide que Briand et Mendy. Pas certain. Hein. À l'époque, oui, mais non, ça risque d'être compliqué. Chris 47, il dit le talent, c'est du travail. Oui, bon, c'est un peu des deux. C'est un peu de tout, quoi. Il faut un peu de tous les ingrédients. On me pose des questions sur le point Mercato. Là, l'émission est terminée. Sur Camano, est-ce que ça négocie toujours avec Galatasaray? A priori. Pour Kalou. Pour Kalou, pardon. Kalou. Oui, Kalou, merci. Oui, mais Galatasaray veut un prêt alors que Bordeaux veut un transfert. Donc, c'est pas sûr que ça se fasse. Et les prêts avec option d'achat, souvent, Galatasaray, comme ils sont en difficulté financière, ils ne les lèvent jamais. Voire quasiment jamais. Voilà. Bon, vous voulez ajouter quelque chose, messieurs? Joe? Gino? Rendez-vous samedi? Ouais, voilà. Mmh. Peut-être une nouveauté, tiens, après le match sur Web Girondin, je prépare quelque chose. Donc, je vous tiendrai au courant. Je tease. Voilà, je tease. Merci à tous de nous avoir suivis. Hervé, merci d'avoir été avec nous. C'était très sympa pour nous apporter ton éclairage. C'est gentil, merci à vous de m'avoir invité. Voilà, écoute, à la prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis sur Web Girondin et rendez-vous sur le site. Allez, salut, à bientôt. Bye bye, salut les gars. Salut à tous.